Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Homcy 2. Aujourd'hui, on se retrouve sur Saint-Servant, enfin, certains me diront. Donc, on en a fini avec Villemolle et nous sommes maintenant donc bien sur Saint-Servant avec, vous l'aurez remarqué, un bus que vous, mes chers amis français doivent très bien connaître puisqu'il s'agit de l'Iris Bus Citylis 18. Avec mon siège, voilà, j'étais trop. Donc voilà, nous sommes avec le Citylis 18 Euro 5 EV. On peut le voir ici, avec des phares arrière qui sont assez différents d'un Citylis Euro 5 classique. Nous sommes avec, donc avec celui de la map Saint-Servant, hein, pas celui d'Acrotère. Je sais pas pourquoi il y en a qui me demandent l'arrêt ici. Alors, s'il y a des gens dans le bus, c'est normal, c'est parce qu'il y a, j'ai eu un petit souci lorsque j'ai fait ma première tentative de record. Alors j'espère que j'aurai pas de soucis dans cette deuxième tentative. Voilà, donc on part à 9h01. Donc je vais me mettre à 9h. Alors. Hop, voilà. Et c'est parti. Alors, est-ce que je vais réussir à mieux faire la manœuvre que dans le premier essai? Normalement, oui, parce que si je prends un peu large, ça passe. C'est vrai que c'est pas fort large ici pour pas faire demi-tour en articulé, hein, mais bon. Ça passe quand même, donc on va dire que ça va. Ligne C20, destination Jardin des Bonjour, Vallades. Monsieur. Et donc nous voilà partis pour ce nouvel XP ben, sur Saint-Servant. Et quoi de mieux pour commencer un XP sur une map française qu'un bus mythique en France, l'Iris Bus Citylis 18. Alors je ne suis pas français, je suis belge, hein, mais l'Iris Bus Citylis c'est quand même un bus qu'à chaque fois que j'étais en France j'ai croisé, que ce soit à Lille, enfin Lille. Pas Lille même, mais autour de Lille, que ce soit à Paris, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans l'ouest, dans l'est, on le croise partout ce Citylis. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que c'est un bus mythique au même titre que les Vanol sont des bus mythiques en Belgique, les Mercedes en Allemagne, etc. etc. Prochain arrêt, Petit Kerfeuillance. Est-ce que quelqu'un va nous prendre? Ligne C20, destination Jardin des Vallades. Et c'est reparti. Ah, mais on n'a pas le 21 devant nous comme tantôt. Puisque tantôt on était précédé par un 21 que nous ferons samedi, si j'ai pas de conneries. Alors par contre Robert, faudra que tu avances avec ta Twingo, ta Mégane plutôt. Et voilà. Et donc voilà, normalement ce let's play ça devrait. Prochain arrêt, Robert Schumann. Ce let's play ça devrait être un let's play qui va vous plaire, hein, puisque nous sommes quand même sur une map française. En plus de ça, une map très populaire dans la communauté Homcy francophone. Hein. Sincèrement, je pense qu'avec avec GPM, c'est l'une des maps les plus jouées. Destination Jardin des Vallades. Donc voilà,
nous sommes avec ce bus que vous connaissez tous, cette map que vous connaissez tous. Donc normalement, si mes calculs sont bons, ce let's play devrait vous plaire. Et ça c'est cool. Donc j'avance un peu plus sur cette partie de la ligne puisque je l'ai déjà faite. Hein. Voilà. Coucou collègue. La question c'est que j'ai à la fois le soleil dans les yeux et à la fois... des problèmes d'ombre dans le bus. On s'est fait là. Prochain arrêt, centre commercial. Pas très grave si je le gris. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Je me demande si je me suis pas trompé, moi. Ici, c'est tout droit. Faut pas que je tourne. Ça commence bien. Si je me trompe déjà dès le début de ligne, ça après, je suis tourné. Alors, petite fun fact. Prochain arrêt, route de Vannes. Petite fun fact sur mon rapport avec les Citelis, c'est que les Citelis, en vrai, c'est des bus que je n'apprécie pas du tout. Voilà, pour des raisons qui sont. Ligne C20, destination. Qui sont assez Jardin pertinentes. Néanmoins, sur Homsi, ça reste un bus qui est super agréable à conduire. En tout cas, dans cette version-ci, puisque je n'ai jamais testé la version d'Acroterre. En tout cas, la version. De Saint-Servant est vraiment très agréable à conduire. Notamment avec la version Void faite par Agora Citelis. Voilà. Je t'arrive à peu près ici. C'est quoi conduite là? Ah, c'est une conduite induite. Et. Si t'es pas content, petit gars, tu peux te mettre à ma place, hein, y'a pas de problème. C'est comique les gens quand même, hein. Prochain arrêt de Coubertin. Alors, je sais plus si c'est toujours aussi, il faut tourner ici.
Prochain arrêt, Stade Salif Keïta. Je me demande si je suis pas là avance, moi, tiens. Ah oui, j'ai une petite minute d'avance. Je vais peut-être un tout petit peu ralentir la cadence. Le collègue qui fait la C20 vers Kerfayence, quant à lui... Alors bien évidemment pour le GC2 il y a le pack de MX200 qui est sorti, mais on utilisera le GC2 de GPM, hein, avec, de GPM de Saint-Servan, puisque le bus est fourni quand même avec le DLC de 1 et de 2, il est beaucoup plus adapté au réseau. Destination Jardin des Valacs. C'est un choix logique. Après évidemment sur les autres maps, dès qu'il faudra utiliser un GC2, on utilisera ceux de 2 MX200. Qui sont sortis en avant-première dans le calendrier de l'avant du webdisk. Alors je ne sais absolument pas par contre quand ils vont sortir en version définitive. Et ça me fait penser que je vais aller jeter un coup d'œil maintenant en rapido. Ce qui est pas très mal en conduisant, vous remarquerez. Hop. Prochain arrêt, Urbania. Après, je pense que ça va sortir dans le courant de la semaine. Je vois déjà encore du contenu du calendrier de l'avant qui a sorti. Voilà, pour moi, d'ici la Saint-Sylvestre, ça sera en ligne. Hein. Après, je sais pas si ce sera le cas, mais c'est une supposition. Me reconcentrer sur la route. Prochain arrêt, la Marne. Alors bien évidemment, s'il y a une mise à jour avec de nouvelles lignes de Saint-Servan, elle sera faite, il y aura des vidéos dessus comme pour Villemolle. Hein. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. J'aimerais bien savoir où on en est par rapport à notre ligne. Prochain arrêt, Université Jean Moulin. On regardera ça à l'arrêt. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Alors, on est où ici? On est à Université Jean Moulin. Université Jean Moulin. UJM, 9h14, on arrive à 9h33, donc il nous reste 20 minutes de ligne. Ça vous fera une vidéo
de 30 minutes en cité lisse. Hein. Je pense que ça va ravir plus d'un. En plus de ça, sur une map française, que demander de plus? Prochain arrêt, Agen. Un peu n'importe quoi suite devant. Prochain arrêt, P+R des Jardins. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo là ou si c'était dans l'essai précédent, mais on utilisera pas mal de bus français dans cette vidéo. Hein. Feu, j'ai envie de dire tant pis, parce que si je freinais là, ça allait brusquer et ils auraient fait quelqu'un nerveux. Prochain arrêt, restaurant universitaire. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Timing, je crois qu'on a repris de l'avance. Pourtant, je roule pas non plus de manière hystérique. Prochain arrêt, Capitainerie. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Alors pour le DLC, parce que faudrait quand même en parler à un moment, le DLC donc Saint-Servant est disponible pour ceux qui seraient intéressés et qui ne l'auraient pas encore, au prix de 25€ sur Steam. Mais il est trouvable moins cher via GamesPlanet, c'est là que je l'ai acheté d'ailleurs, à 22€ et quelque chose. Même si là, jusqu'au 5 janvier, il y a des promotions sur le webdisk et tous les DLC aussi quasiment sont à 25% de réduction. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur Steam, puisque vous pouvez l'avoir pour moins de 25€ du coup. Pour enlever, je pense bien 6-7€ facilement. C'est 25%, je sais plus. En tout cas, vous pouvez faire une petite économie quand même sur le DLC, donc fait toujours plaisir, surtout que ce DLC n'est pas souvent en promo. Ligne C20, destination et quand même, Jardin des Valacs. Avec des réductions via Steam, je viens de faire une dinguerie moi encore. Ça monte par contre. Hein. Petit sifflement là après l'espèce de pit me fait penser beaucoup à celui des Urbanway qu'on a
En Belgique, du côté de Moucron. Prochain arrêt, Océane. Personne à Océane. Prochain arrêt, banque. Ligne C1, destination. Alors, je sais pas si je vous ai parlé du point off, et le point off c'est fait par un des abonnés de Techmons, donc je me rappelle plus du nom. Je mettrai le lien de sa publication sur le MCStuff pour que vous puissiez le télécharger, mais. Vraiment, son nom m'échappe. J'ai une fois allé voir d'ailleurs, parce qu'on n'a pas en avance, donc autant en profiter. Aller voir son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle ce petit gars? Évidemment, dit amicalement. Hein. Ne me faites pas. Voilà. Il s'agit de. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais il s'agit de Créa Métis, voilà. Il a publié ça il y a 2 semaines. Alors d'ailleurs, voilà, j'ai le prix en dollars, bon, en euros c'est kiff kiff, de 18,74€ pour Saint-Servant, comme pour GPM, puisqu'ils sont au même prix. Donc avec la promo jusqu'au 5 janvier. Franchement, c'est le moment jamais de l'acheter, hein, là, parce qu'on l'aura jamais moins cher. Il a fait plusieurs modes de girouette, hein. Il a fait des girouettes pour les bus qui ont des girouettes à pastilles classiques, des bus qui ont des afficheurs qui a plus, des bus qui ont des afficheurs qui a plus en blanc, en couleur et en orange. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les bus. Hein. Il y a même des girouettes papier pour les versoirs ATP. Donc, vraiment un pack très complet. Voilà. J'utiliserai plusieurs de ses girouettes durant. Enfin, de son pack de girouettes durant son. Durant mon let's play. Voilà, si j'arrive à parler, ce sera bien. Prochain arrêt, tribunal. Par contre, les ronds-points comme ça, je vous avoue que. Ça va 3 secondes, mais. Un tout petit peu arrêter de se moquer des gens. Ligne C20, destination Jardin des Valacs.
Et la livrée, le bus, on va se fournir avec la map. Hein. Voilà, avec le DLC. Je pense que vous vous en doutiez un peu. Je pense que beaucoup le savent déjà. Hein. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant non plus, il y a un pack d'Intoro qui est sorti aussi récemment à 15 € sur Steam. Alors lui il n'est pas en promo mais vous pouvez le trouver moins cher chez Games Planet il me semble. Allez voir ça tout de suite aussi. Dire quand même pour le feu. Si. Ah bah. D'ailleurs, c'est bien la première fois que je vois sincèrement moins cher sur Steam que sur GameSonnet. Alors, le DLC Toro, il est dispo à combien? Prochaine le DLC Toro, il est disponible à 13,50 sur... Donc on peut y aller à 13,50 sur GameSonnet au lieu de 15 €. Donc ça vous fait économiser à 50. Toujours ça de prix. Au bout de 20 DLC, ça vous en fait un gratuit. Prochain arrêt, Roosevelt. On avait sonné. Ligne C20, destination Jardin des Valaques. Quand la porte décide de faire une blague. Pas être très loin du terminus d'ailleurs. On va arriver à François Mitterrand. Ouais, il nous restait 3-4 minutes de ligne. Et on se quittera pour aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on soit sur sincèrement. Ah ouais, elles sont permis, t'es malin toi. Hein. J'espère qu'il est pas en train de passer parce que. Ligne C20, destination Jardin des Valaques. Et on est parti. Prochain arrêt République. Prochain arrêt, République. D'ailleurs, ce serait pas mal que je prenne un screen. Sauf que je vais m'arrêter à l'arrêt.
les indications, ouais, c'est quand même pas mal ici. Voilà, juste attendre le C20, Jardin des Valacs. Voilà, on voit un petit peu la ligne qu'on fait. J'ai bien fait de remettre les indications puisqu'on doit tourner à droite. J'allais passer au-dessus comme un imbécile. Pardon. Un peu de place. Prochain arrêt, Joliot-Curie. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Salut. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Prochain arrêt, Résistance. Ligne C20, destination Jardin des Valacs. Plus grand monde, hein. Ouais, mais pas ton clignotant avec ta Renault, c'est une option sûrement. Ce qui serait pas étonnant. La question suivante. Terminus départ C20 C23. Prochain arrêt, Jardin des Valacs. Terminus. Et voilà, bon, on aurait été tout sur la fin, mais. Ligne C23. Voici donc arrivé à la fin de cette vidéo sur Homecy 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, ben, c'était un plaisir de vous la tourner comme d'habitude. Alors, on se retrouve dans 2 jours pour faire la ligne C23. D'ici là, je vous dis donc à la prochaine pour cette ligne C23. Allez, ciao tout le monde.